Je suis rentré, je rentre en France donc en 2009 et j'ai un blog et on me confie des chroniques. On me confie des chroniques, la chronique financière au Monde, en Belgique également, à l'Écho, au journal, au magazine du milieu des affaires qui s'appelle Trends Tendance, et on m'invite beaucoup à la radio et à la télévision autour de mes livres, autour de réflexions sur cette crise qui a eu lieu des subprimes. Et ensuite, on m'invitera beaucoup à propos de la crise de l'euro qui se dessine, parce qu'on a compris que voilà, je vois des choses dans la zone euro, dans son fonctionnement, que peut-être tout le monde ne voit pas, d'où ces invitations multiples au Parlement européen et ailleurs. Et Jacques Attali, donc, que je connais à partir du moment où, voilà, par cette lettre, avant laquelle je ne le connaissais pas, où il dit « ça m'intéresse beaucoup votre manuscrit sur une crise qui se dessine aux États-Unis ». Quand François Hollande lui confie une deuxième commission après celle qu'il avait présidée pour Sarkozy et dont le secrétaire était un certain Emmanuel Macron, pour la deuxième commission, il m'invite à en faire partie de cette commission et je suis un petit peu, comment dire, sceptique. J'ai l'impression que cette commission sur l'économie positive, vu le panel des gens qui sont invités, en particulier des gros dirigeants d'entreprises, que ça va peut-être pas marcher, que je ferai peut-être pas de vieux os dans cette commission. Et ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est qu'il y a, bon, je vais pas dire son nom, mais c'est un des grands dirigeants de l'économie française. Et il se lève au début de la première réunion en disant « Nous n'avons pas besoin, en fait, de l'économie positive, c'est celle que nous avons déjà. Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi cette commission existe. » Et là, je l'attaque bien en tête. Je me dis « Bon, j'aurai mes 5 minutes de gloire dont parlait monsieur, un fameux peintre, monsieur, dont le nom m'échappe. Je me lève et je dis à ce monsieur ce que je pense. Je dis non, cette commission est entièrement justifiée et je l'attaque et je me dis bon, je vais me rasseoir, le temps de ramasser ma serviette et puis je m'en vais. Et avant que j'ai pu le faire, c'est lui qui se lève et qui s'en va. Bon. Ah, je me dis, alors, on parlait de rapport de force tout à l'heure, voilà, je suis quand même une autorité sur ce genre de questions et là, devant un des grands patrons français, sûrement dans les 5 premiers, il jette l'éponge, voilà. Et j'ai eu la même expérience à des émissions de télévision où on me dit, voilà, vous allez débattre avec Monsieur Machin, et Monsieur Machin ne vient pas parce que c'est Jorion qui est en face. Et là, c'est un vrai compliment. Ça veut dire que je maîtrise la finance d'une manière telle que je fais peur à certains interlocuteurs. Il y en a un, non, je ne vais pas dire le nom non plus, mais le débat a lieu. Et puis le débat est aussitôt terminé, qui dépose plainte. Il dépose plainte en disant que le modérateur avait pris parti en ma faveur, ce qui n'était pas vrai du tout, ce n'était pas du tout l'opinion de l'Assemblée. Enfin voilà, donc je suis une autorité sur ces questions-là. Et on m'invite aussi donc en Belgique au comité financier pour l'avenir de la finance en Belgique. C'est aussi un grand honneur. C'est à cette occasion-là que j'ai l'occasion de défendre nos conclusions devant le Parlement belge. Mais qu'il s'agisse de la commission Attali numéro 2, je peux le dire. La commission numéro 1, Monsieur Attali n'était pas content que M. Sarkozy n'ait pris aucune des mesures qui avaient été préconisées. Mais je peux quand même dire pourquoi la commission numéro 2, avec Monsieur Hollande, n'a pris aucune des propositions que nous avions proposées.
Même chose pour ce travail important que nous faisons avec des gens très intéressants, dans un ancien directeur de la Banque centrale belge, des grands spécialistes, voilà, des gens qui s'occupent vraiment du risque financier en Belgique. Discussion difficile. Moi, je suis, nous sommes huit, je suis la seule personnalité, je vais être de gauche, devant ces sept techniciens très libéraux. Nous faisons finalement un rapport dont la presse a l'amabilité de dire comment est-il possible que ces 8 personnes fassent quand même un rapport qui soit en gros de gauche. Là, je suis très fier. J'étais seul contre 7. Mais le résultat, c'est que le ministre a mis ça dans un tiroir et il s'est jamais non plus, il s'est rien passé. Donc ça, ce sont mes aventures quand je m'avance un peu du côté plus du politique. Je rencontre un jour, ça se passe de la manière suivante, je suis devant la Gare du Nord à Paris et il y a un monsieur qui vient s'asseoir à côté de moi, à la devanture dans le café, Terminus Nord, et il me dit, écoutez, vous ne me connaissez pas, moi je sais qui vous êtes, je suis commissaire européen, nous avons besoin de gens comme vous au Parlement européen. Il faut absolument faire tout ce qu'on peut pour que vous deveniez parlementaire européen. Et là, je le vois ensuite, il m'invite à venir le voir à Bruxelles, voilà, on en parle encore, et je dis, bon, d'accord, je vais essayer. Et là, je m'adresse au parti politique et c'est le silence absolu. Voilà. Il n'y a personne ne m'entend parler de moi. Et bon, et du coup, ça disparaît entièrement. Et du coup, je me désintéresse un peu de ce genre de choses. Mais dans mes livres, à l'époque, j'avais développé plusieurs thèmes. En particulier, ce que j'avais appelé le soliton. Le soliton, j'avais eu une expérience. Et là, c'est pas en tant que pêcheur, c'est quand je faisais de la plaisance. Je me trouvais un jour, et c'est avec ma mère d'ailleurs, sur un petit dériveur. C'était en Bretagne, dans le nord de la Bretagne, et on est sur une mer d'huile, comme on dit, il n'y a absolument rien, et on voit arriver un mur d'eau. On voit arriver un mur d'eau devant nous. Il y a tout à coup un creux énorme, comme ça, dans une ville, sur une mer absolument étale, une mer d'huile. Et on a un peu peur, et effectivement, c'est un grand choc. Au moment où cette vague arrive sur nous, c'est un très grand choc, et puis derrière, il n'y a plus rien non plus. Donc, je m'intéresse un peu à ça. Et je découvre que c'est un phénomène d'onde. Voilà. Il se fait que des ondes peuvent s'accumuler, et tout à coup apparaît ce qu'on appelle un soliton. C'est un phénomène qu'on voit aussi dans les rivières qui sont tidales, les rivières à marée, c'est en fait des bras de mer, c'est que quand il y a renversement de la marée, il y a un mur d'eau qu'on appelle le mascaret qui existe. Le mascaret est un soliton. Et cette image me paraît intéressante parce que j'ai le sentiment à ce moment-là qu'il y a une triple crise. Et c'est à partir de, bon, ma connaissance de l'environnement n'est pas, je ne suis pas un spécialiste de ça. Maintenant, j'ai la chance d'être fait partie de l'Assemblée statutaire de Greenpeace, ce qui me fait très plaisir aussi. Mais il y a une crise de l'environnement, c'est la crise voilà, qui risque de nous détruire. Il y a une crise qui est liée, et ça, à cette époque-là, j'en ai la preuve tous les jours, et je le vois dans les débats que j'ai autour, voilà, justement, des chroniques du Monde, des discussions que j'ai. Il y a une mécompréhension des mécanismes économiques et financiers qui est liée à la mauvaise qualité de la science économique. Pourquoi? Eh bien, ça, je commence à l'explorer un petit peu, j'en fais l'histoire aussi. La science économique, c'est une production des milieux bancaires qui décourage tout autre type de pensée à partir des années 1870. C'est absolument pas récent. Une science idéologique, en fait, un discours idéologique qui arrange les milieux de la finance, qui arrange les milieux qu'on voit représentés dans les écoles de commerce et ainsi de suite. Ce n'est pas le savoir. Il y a une distorsion véritable du savoir et c'est dangereux. Et ça, je l'ai vu en 2005, 2006, 2007. Le fait qu'on n'avait pas les bons outils. J'ai vu la catastrophe que ça peut produire, que le fait que quand les gens me disent oui, mais un taux forward, c'est une prédiction de l'avenir, mais j'ai dit, et que je leur dis, il y a des collègues qui ont des diplômes en mathématiques, mais vous voyez pas que ça ne dit absolument rien sur l'avenir. Là, et ça, c'est le savoir que j'essaie de mettre dans ce livre sur Keynes, tout ce qui est tellement faux que c'est dangereux, c'est véritablement dangereux. Et il y a une troisième crise, c'est la crise de la complexité. Et là, ça intervient par exemple une chose comme l'intelligence artificielle, le remplacement des gens par le numérique à partir de la révolution donc de 1980, et j'en fais partie, même moi à l'université, quand Leech me dit on va faire des modèles de système de parenté, le fait qu'au moment où les gens arrivent
à avoir des ordinateurs personnels dans les entreprises, leur productivité est multipliée par 1000 ou des choses de cet ordre-là, mais ça n'apparaît pas dans les chiffres. On a même l'impression, et on vous le répétera, on dira, oui, c'est quand même étonnant qu'avec le numérique, la productivité des gens qui travaillent avec des machines, qu'elle n'ait pas augmenté. Et ça, c'est pourquoi? Parce que ça a l'air de ne pas avoir augmenté, c'est la comptabilité. C'est parce que les machines ne sont pas comptabilisées comme des êtres humains à qui on va devoir donner un salaire. Et du coup, que tous les gains de la machine qu'il faudrait introduire en réalité dans, comme gain de productivité des travailleurs, des gens qui utilisent des machines autour d'eux, ça apparaît simplement comme des pêches miraculeuses dans les chiffres à la fin de l'année, comme des bénéfices dont on ne sait pas d'où ils viennent, c'est le travail des machines. Bon. D'où me vient l'idée de ressusciter une idée ancienne que j'appelle la taxis mundi. Et ça aura un peu de, je dirais, un peu de retentissement en France parce que Benoît Hamon va l'introduire dans son programme. C'est une taxe sur le travail des machines. Sismondi est donc un des premiers socialistes. Il n'est pas considéré comme socialiste utopiste par Marx et Engels dans le manifeste du parti. Il l'appelle socialiste petit bourgeois, Sismondi. Pourquoi petit bourgeois? Là aussi, c'est pour dire que quelqu'un qui croit qu'on n'aura peut-être pas besoin de la révolution, c'est quelqu'un qui soit des petits bourgeois. Il y en a d'autres qui l'appellent chrétien, vous savez, utopiste, etc., qui est une insulte véritablement. Enfin, le nom est resté. Et donc, Sismondi, il écrit, c'est un philosophe suisse, il écrit à l'époque des luddites qui vont casser des machines. L'histoire du luddisme n'a pas été très très bien faite parce qu'il y a des tas de... Ça n'a pas vraiment été documenté, mais il y a des gens qui ont cassé des machines, il y a des gens qui ont été pendus pour avoir cassé des machines en Angleterre. Et Sismondi dit la chose suivante, moi je le reformule de la manière suivante, en fait, en modifiant un tout petit peu. La personne qui est remplacée par une machine devrait bénéficier à vie d'une rente perçue sur la richesse créée par cette machine. Voilà. Et je propose donc, ça existe à différentes époques, comme des taxes sur la machine, des choses de cet ordre-là. Mais en fait, c'est toute cette richesse qui va directement maintenant de l'usine, sans passer par des travailleurs, sans passer par des salariés, va directement alimenter ces dividendes dont on se demande pourquoi ces dividendes sont si hauts. Eh bien, c'est parce que c'est pas compté comme productivité. Et pourquoi? Parce que la machine apparaît simplement dans des calculs intermédiaires à l'intérieur de la comptabilité. Si c'était quelqu'un à qui il fallait donner une fiche de salaire, la machine apparaîtrait, mais là, elle n'apparaîtrait pas. Donc, en fait, c'est un mirage, le fait que la productivité des gens n'a pas augmenté. Si on avait fait le calcul, on aurait vu, par exemple, la productivité dans certains bureaux et des choses de cet ordre-là, multipliée par 1000. Et la règle était que les salaires étaient alignés avec la productivité. Donc ça tombait bien, je dirais, pour le patronat, si on veut, que ces gains n'apparaissaient pas. Non pas qu'on n'aurait jamais considéré véritablement multiplier les salaires par 1000, on l'aurait jamais fait. Mais si on avait voulu rester dans la logique ancienne, on l'aurait fait. Et là, c'est une des choses qui intéresse, par exemple, Solidaris en Belgique. Solidaris, les mutualités socialistes, c'est les mutualités en Belgique. Les mutuelles, ce n'est pas exactement la même chose que les mutuelles en France. Ce sont en fait des organisations assez puissantes. Les gens sont affiliés selon des partis politiques. Et Solidaris, c'est voilà, la mutuelle liée au Parti socialiste. Et là, on me commande une étude qui va être un programme politique. Ça s'appellera Vers un nouveau monde. Et là, je mets dans cette perspective de soliton où il y a plusieurs problèmes à résoudre en même temps, j'essaye de mettre un ensemble d'idées politiques. Et quand un peu plus tard, je pensais à me présenter au Parlement européen, ce qui n'a absolument rien donné, ça aurait été, en fait, ça aurait été un peu le programme sur lequel je me serais présenté. Mais il y a beaucoup de choses qu'on qualifie de révolutionnaires, des choses qui sont en fait de l'ordre souvent de l'indispensable, parce que si on veut résoudre, ou si on veut au moins faire quelque chose vis-à-vis de l'environnement, il faudrait s'attaquer au problème dans des perspectives telles que celles que je développe là. Alors, vous le savez, le rapport de Rome 1972 fait des prévisions sur ce qui va se passer et on nous dit maintenant, vérification,
On est bien plus tard, 40 ans, 72, 28, 38 ans plus tard, pratiquement 40 ans plus tard, on nous dit oui, ben ça s'est passé exactement comme ils l'ont dit. Et donc, le rapport du GIEC récemment confirme cela. La possibilité existe véritablement d'une extinction du genre humain à la surface de la Terre. Et ça, j'avais voulu y consacrer un livre en 2015. Il a publié, il a été publié. C'est un ensemble en fait de chroniques que j'ai publié en 2015, à ces endroits où j'étais chroniqueur, et que j'ai rassemblé en un vrai livre en 2016 qui s'appelle Le dernier qui s'en va, éteint la lumière, et qui fait qu'on me considère voilà comme un des fondateurs de ce qu'on appelle la collapsologie maintenant, c'est-à-dire de quelqu'un qui alerte à la possibilité d'un effondrement généralisé et peut-être même du risque d'extinction. Le rapport du GIEC, très récent, il y a quelques semaines, qui nous dit en fait que sur les 30 ans à venir, en tout cas, on ne pourra rien faire, et qui nous donne comme horizon, après ces 30 ans, non pas qu'on aurait pu revenir à la situation maintenant, mais simplement qu'on pourrait, au bout de ces 30 ans, stabiliser la situation, c'est en fait quelque chose d'assez désespéré. Alors, on nous dit bien, on ne parle pas de populations qui vont disparaître. Mais on nous parle quand même d'un milliard de personnes qu'il va falloir loger autre part. Et quand regardons ce qui se passe dans l'actualité, quand il est question de reloger quelques dizaines de milliers d'Afghans, tous les gouvernements poussent des hauts cris. Alors que feront-ils? Et on l'avait vu, comme on l'a vu avec tout ce qui se passe en Méditerranée, que va-t-il se passer quand il y aura 1 milliard de personnes qui vont vouloir aller ailleurs que l'endroit où elles sont, avec des zones qui rétrécissent, avec des zones où des gens de bonne volonté disent on va recréer des éco-villages et des machins comme ça, alors que l'on voit des hivers qui deviennent imprévisibles et des étés qui deviennent imprévisibles, quel genre d'agriculture va-t-on avoir dans des endroits où il y a des gelées au mois de juin qui détruisent absolument tout? Cette représentation idyllique de petites communautés qui survivraient, moi je n'y crois absolument pas. Le jour où il y aura des véritables problèmes, il y aura, comme dans le film et dans le roman La Route, il y aura des bandes de pillards qui essaieront de trouver tout ce et qui n'auront aucun scrupule, qui seront peut-être pas des cannibales comme dans l'histoire, mais qui s'arrangeront à trouver les gens là où ils sont. J'ai dit que j'ai travaillé une époque avec un hedge fund qui se trouve à Houston, au Texas. Mon patron à l'époque, c'est quelqu'un qui a créé une communauté absolument. Il a, je crois, le troisième plus gros yacht au monde. Je ne sais pas quelle est ma contribution dans le prix d'achat du yacht, mais il y a sûrement un petit peu. Mais il vit en autarcie, quelque part en Micronésie, dans un ensemble d'îles où il peut vivre avec sa famille, voilà, en autarcie pendant un certain temps. Mais même lui, il y a des pirates. Ce ne seront pas des pirates qui viendront à pied, ce sont des pirates qui viendront avec des bateaux, qui sauront le trouver, qui sauront où il est, qui sauront où se trouve la dernière richesse. Et même chose pour ces petites communautés idylliques que l'on imagine recréer dans des forêts, ça n'aura pas lieu. Le plus proche de ça, c'est ces films Mad Max qui sont très bien faits nous montrent, c'est des petites communautés humaines de bandits qui se disputent pour le dernier camion citerne avec de l'essence dedans. C'est ça qui va se passer. Je ne pense pas que des petits groupes vont pouvoir survivre, même dans des endroits très reculés. Les endroits les plus reculés de la planète, comme la forêt d'Amazonie, c'est celles qui sont en train d'être détruites en ce moment par des garimpeurs et par des gens qui coupent le bois pour en faire du bois de construction. D'où la nécessité d'envisager d'autres choses. Je crois qu'il faut être réaliste. On me dit, quand je parle de mes plans B et C, on me dit, vous n'êtes pas réaliste, etc. Je dis, je suis réaliste. Je suis réaliste parce que j'envisage les choses en termes de probabilité que ça réussisse. Le plan B, colonisation des étoiles, colonisation d'autres planètes. Le plan C, carrément, là, on est vraiment dans le post-humain, je dirais, à proprement parler, c'est le remplacement de nos sociétés humaines par des sociétés de robots intelligents. Et là, pour ce qui est de la colonisation des étoiles et tout ça, il y a tous ces projets de type transhumaniste qui travaillent là-dessus. Alors, transhumanisme, je fais partie à la
à l'Université catholique de Lille, d'un groupe qui s'est fort intéressé au transhumanisme. On nous présente ça un peu comme les rêves un peu fous de millionnaires ici ou de milliardaires ici ou là. Mais en fait, on peut regarder ça dans une autre perspective. C'est qu'en fait, il y a des êtres humains, dans une perspective, je dirais, tout à fait logique avec l'évolution des espèces, qui essayent de travailler à des plans B et des plans C. Et si nous n'arrivons plus à vivre sur cette planète-ci, à essayer de nous faire vivre ailleurs. Alors, il y a des problèmes tout à fait extraordinaires. Alors, on se moque un peu des transhumanismes en disant ils sont fascinés par cette idée de nous rendre immortels, etc. Tous les gens qui travaillent de fait dans des laboratoires pour essayer, voilà, de supprimer le vieillissement comme un problème, comme une maladie, tous ces gens travaillent très bien à des techniques qui pourraient nous permettre à des êtres humains d'être mis pendant des silos, dans des fusées, le temps qu'il faudra pour arriver à des étoiles. Et nous savons dans la technique actuelle, de développement des fusées, il faut un millier d'années pour aller sur une autre étoile. Alors on travaille à d'autres techniques, on va peut-être raccourcir un petit peu, mais imaginons même que l'étoile la plus proche avec de nouvelles techniques soit 50 ans seulement de nous, il faudrait aussi arriver à nous hiberner, à nous congeler suffisamment. Donc des gens travaillent à ça, des gens comme Elon Musk, des gens comme Bezos, Jeff Bezos, dont on se moque beaucoup parce qu'ils paraissent un peu des farfelus, ou alors on s'intéresse surtout au fait qu'ils font payer des gens pour aller voyager un petit peu dans la stratosphère. En fait, ces gens travaillent, en réalité, ils travaillent au plan B, et ils travaillent de manière cohérente, et ils travaillent bien, et ils avancent vite, mais ils vont devoir, si on veut les suivre, il faudra véritablement faire des choses que les Anglais appellent enhancement, que nous appelons augmentation, qui n'est pas un très beau mot. J'ai regardé d'où venait le mot enhancement. En fait, c'est du français. C'est un vieux mot à nous, enhaussement, qui n'existe plus. Et moi, j'essaie de ressusciter le mot enhaussement. Il faudra nous enhausser pour nous permettre de faire ça, de faire le plan B, pour aller voir ailleurs ou s'installer ailleurs. Nous résistons très très mal aux rayons cosmiques. Nous perdons rapidement du poids. Et nos os se fragilisent quand nous sommes en apesanteur. Mais il y a des laboratoires, il y a plein de laboratoires en ce moment dans le monde où on essaie de résoudre ces problèmes-là. Pourquoi? Parce qu'on veut travailler sur le fait de savoir s'il y aura des gens qui pourront un jour rester à demeure sur la planète Mars. Donc, le plan A, nous garder dans l'état où on est ici, ça me paraît très compromis. Donc, il est raisonnable de penser au plan B, de voir si on peut le réaliser. Bon. Et reste le plan C. Et là, le plan C, il implique l'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'abandonner l'idée de maintenir du vivant du type de nous, parce que nous sommes extrêmement fragiles. C'est comme Monsieur Rees, voilà le Martin Rees, l'astronome royal en Grande-Bretagne, qui dit, mais comment voulez-vous faire quelque chose avec une espèce qui doit boire de l'eau toutes les demi-heures, qui doit respirer de l'oxygène en permanence, qui doit s'alimenter avec des produits extrêmement spécifiques, sinon ils sont empoisonnés, etc. Comment voulez-vous qu'on fasse quelque chose avec ça? C'est-à-dire, si on veut qu'on devienne plus fiable, il faut soit nous améliorer ou enhausser de manière considérable, soit carrément passer le bâton de relais à autre chose. Et là, c'est là peut-être qu'on me critique le plus en disant, mais c'est ridicule cette idée que des robots nous remplaceront un jour. Et si je dis non, que ce n'est pas ridicule, c'est parce que je dis il faut réfléchir en termes de probabilité. Et là, pour ce domaine que je connais pas mal, l'intelligence artificielle, je sais qu'il n'y a, contrairement à l'époque où j'étais chercheur en intelligence artificielle, où on avait des problèmes, on disait la vision à trois dimensions, on ne sait toujours pas comment il faudra faire ça exactement, comment est-ce qu'on peut faire stocker des choses en mémoire et ainsi de suite, dans une mémoire de type biologique. C'était des problèmes dont on connaissait pas du tout la réponse. Et là, en intelligence artificielle, maintenant, je ne vois plus d'obstacles majeurs. Je vois des obstacles majeurs au plan A, d'essayer de nous faire continuer à nous faire survivre sur cette planète. Je vois des obstacles majeurs au plan B, c'est-à-dire d'aller coloniser d'autres planètes. Et dans notre système solaire, il n'y a rien de particulièrement appétissant. Et d'autres étoiles, je vois que c'est la probabilité extrêmement faible. Et je me dis, la probabilité de nous remplacer nous-mêmes, de transmettre quelque chose à des robots intelligents qui vont nous remplacer, cette probabilité n'est pas aussi faible que pour le plan A et pour le plan B. Alors, je sais, ça paraît un peu farfelu, mais je sais que c'est ma connaissance de ce domaine de l'intelligence artificielle qui me permet de dire ça, et en particulier d'être, je ne sais pas combien d'années il me reste, mais de travailler activement en tant que chercheur en intelligence artificielle à résoudre les problèmes supplémentaires qui permettraient de réaliser au moins ça, dont je souligne que ce serait déjà pas mal pour une espèce. La plupart des espèces de mammifères ont disparu au bout de 2 millions d'années ou 2 millions et demi. Une espèce qui parviendrait
a créé véritablement à partir de rien son successeur, je trouve que ce serait déjà en soi une belle réussite.